severatus on apprend que Newcastle disposerait de qui a été raté par Alphonse Saoudia pour 352 millions d'euros. Vous voudrez dépenser 220 millions d'euros lors du marché hivernal, tandis que McAshee, ancien propriétaire, n'avait déboursé que 621 millions d'euros lors de ses 14 années au club en tant que propriétaire. Newcastle a ciblé 5 joueurs. Il s'agit des défenseurs James Tarkowski de Bournemouth, Boubacar Camara de l'OM qui arrive tous les deux en fin de contrat en juin prochain, mais aussi le milieu du Barça Philippe Coutinho et les attaquants Icardi du Barça et les attaquants du Mauro Icardi du PSG et Anthony Martial de Manchester United, tandis que le milieu espagnol qui est arrivé à Chelsea, Saúl Ñíguez, prêté un an avec une option d'achat d'environ 40 millions d'euros à Paris Atlético qui n'a été utilisé qu'en deux reprises, deux fois contre Aston Villa en championnat et une fois en coupe contre la même équipe pour 121 minutes, qui doit faire face à la concurrence du trio Kanté, Jorginho et Kovacic et Loftus-Cheek. Et Ross Barkley devant lui, Chelsea voudrait renforcer ce secteur de jeu. Ils suivent le milieu de terrain de l'Inter de Milan, Marcelo Brozovic, qui sera enfin contrat en juin 2022 avec Inter de Milan. Alors que on évoque également un intérêt du PSG pour Marcelo Brozovic. Quant à Pape Abdou Cissé, le milieu de l'Olympia, le défenseur central de l'Olympiakos intéresse des formations de première ligne. Arsenal et Everton et Liverpool. Il avait été prêté 6 mois à Saint-Étienne l'année dernière. Il pourrait rapporter 10 millions d'euros à l'Olympiakos, dont il a défendu les couleurs à 105 reprises depuis son arrivée en Grèce en provenance de l'AC Ajaccio en 2017. Manchester City a refusé une offre de 8 millions d'euros pour le jeune joueur McAllister de la part, soit 9,4 millions d'euros par Brighton. Crystal Palace et West Ham le surveillent de près également. Guardiola lui a offert ses premières minutes en professionnel le 21 septembre dernier lors de la victoire de Manchester City contre une combée lors du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Il évolue
régulièrement avec les moins de 23 ans de Manchester City, avec lequel il a mis 12 buts et 3 passes décisives depuis le début de la compétition confondue depuis le début de saison. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.